Hey, eh bien, salut tout le monde, c'est ActuNGame, on se retrouve pour une nouvelle game. Alors, on est en live déjà, je tiens à le préciser. Regardez, je vous fais le petit bruit des manettes, hop. Voilà, bref. Donc, je lance une petite partie personnalisée sur la map Hijack pour vous montrer juste une petite astuce très utile pour prendre le point B en domination sur cette map. Donc, j'espère que ce petit tuto assez court va vous plaire. Écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Voilà. Alors, je prends ma petite classe avec rien dessus, hein, donc je suis en live, hein, je l'ai précisé. J'espère que le bruit de ma télé, que j'ai oublié de baisser d'ailleurs, honte à moi, et le bruit de mes manettes, enfin de mes joysticks, excusez-moi, ne vous gêneront pas trop. Donc voilà, donc nous sommes en match à mort, alors en domination, on est bien d'accord que le point B est ici, donc il est bien ici en fait, et quand vous arrivez normalement, alors... faire comme si vous arriviez de l'autre côté, puisqu'en général les gens apparaissent ici. Voilà, donc vous êtes à peu près là. Alors je vous conseille un rush en partant ici. Vous envoyez une grenade dans cet axe là à peu près. Pourquoi cet axe là? Parce qu'ici en fait, regardez là, il y a déjà cette entrée là, il y a déjà ça, des gens qui s'approchent de là. Donc soit vous l'envoyez par là, d'ailleurs elle a pété là, un peu plus loin pour qu'elle aille ici, ou alors vous l'envoyez plus vers là, comme ça ça peut vous sauver la vie s'il y en a qui sont là. Ou alors carrément vous tentez de l'envoyer sur la fenêtre, mais je pense que ce sera moins efficace que si vous l'envoyez par là. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez envoyé votre petite grenade, on en était à peu près, voilà, on en était ici, vous avez envoyé votre grenade, vous allez tout de suite ici envoyer un fumigène. Donc ça va beaucoup les perturber. Vous faites un petit saut de la mort qui tue, vous passez derrière et vous mettez là, voilà. Ici, vous vous serrez, vous décalez à peine un petit peu. Et là en fait, lorsque vous allez prendre la position, les ennemis vont quasiment pas vous voir. Puisque lorsque vous êtes ici, faut savoir que là, non, en général, les ennemis arrivent de là et ils font comme ça. Ils verront une toute petite partie de votre corps, puisque là, quand on est là, on est d'accord que dans l'axe, la continuité, c'est à peu près là, ici. Et si on regarde, regardez ce que ça fait. Voilà, donc là, ouais, bon, on est d'accord, on verra une petite partie du corps. Mais en général, on s'aventure pas trop ici en domination, voilà. Donc j'espère que ça vous a été utile. Tout de suite après, on va se retrouver en ligne pour un exemple concret, voilà. Donc pour la fin, je vais faire un petit saut, non, on va faire un petit tour au spa d'ailleurs. Hop, voilà, les copines, ça va, tranquille. Et pour la fin, je vous dis ciao. Non, allez, à tout de suite, un petit plongeon pour la fin. Allez, c'est parti. Et donc voilà, donc là, je suis en ligne, vous allez voir, je me dirige sur le côté pour voir s'il n'y a personne. Je vais sur le point B, alors là, je passe par un autre chemin, hop, je me mets là sans plus attendre. Et voilà, ma capture est terminée, donc voilà, l'astuce est terminée, donc j'espère... que le petit exemple en ligne avec la PDW57 vous aura plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à liker cette vidéo, comme ça, ça me donnera une petite idée. Enfin, oui, j'aimerais savoir, voilà, si vous avez aimé ou non cette série en fonction. Mais je continuerai ou non, tout simplement. Pour la prochaine map, si bien évidemment j'ai l'occasion de vous la proposer, puisque ce projet vous aura plu, je pense faire Hijack et vous montrer une petite autre astuce pas mal pour faire de bons petits massacres. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas encore une fois à liker, partager, et on se retrouve à la prochaine. Allez, bye tout le monde, c'était ActuNGame.